Jean Pifto, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Pifto Bois. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de votre société et de vos activités? Oui, bien sûr. Pifto Bois est une entreprise qui a aujourd'hui 65 ans. C'est une entreprise familiale basée en Vendée. Nous avons deux scieries de bois français. Et notre métier, c'est vraiment la fabrication de composants pour la construction bois et les aménagements extérieurs. On travaille sur quatre essences françaises qui sont le pin, l'épicéa, le douglas et le mélèze. Voilà, essentiellement des essences françaises. Uniquement des essences françaises. Alors, à destination des aménagements extérieurs et de la construction, structure et bardage ? Structure et revêtement. Structure et revêtement. Alors aujourd'hui, là sur Batimat, vous nous présentez quelque chose d'assez nouveau et qui est en fait très demandé par les architectes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est vrai que c'est la problématique du bardage qui est demandée tout le temps, c'est le vieillissement du bardage. Donc sur Batimat, cette année, nous avons essayé d'apporter une réponse sur le bon vieillissement d'un bardage bois. Voilà, l'idée c'est qu'un bardage bois doit... Les architectes adorent que ça grise, mais ils préféraient que ça grise uniformément. Voilà, donc nous avons développé une technologie avec à base du système autoclave, avec une imprégnation grise qui permet de livrer les bois avec un gris homogène sur l'ensemble des produits. C'est comme du design pré-patiné finalement, on est sur quelque chose de pré-patiné. Voilà, c'est comme quelque chose de pré-patiné, mais cette pigmentation est très homogène et garantit une finition régulière sur l'ensemble des façades lors du vieillissement des bardages. Aujourd'hui, on a fait l'expérience avec les pigmentations marron qui fonctionnent très très bien. Maintenant, il fallait qu'on apporte une nouvelle couleur qui était très demandée par les architectes, le gris. Donc on a développé la technologie du marron sur le gris et on espère faire un bon développement avec. Sur Batimat, maintenant, ça fait déjà 4 jours. J'imagine que des architectes sont passés sur votre stand. Comment ça se passe? Comment ils reçoivent ce produit? Très très bien, ils sont très satisfaits. Dès qu'un architecte passe sur le stand et qu'on lui présente cette nouveauté, tout de suite c'est vers ces produits qu'ils se dirigent. Ils sont très demandeurs de ces produits. Le bois, elle va en poupe. Maintenant, il faut qu'on apporte des solutions qui soient pérennes dans le temps, en termes de couleur surtout. Ça apporte également une protection. Le produit est aussi un traitement en même temps. Donc ça, le problème du traitement, on l'avait déjà réglé depuis quelques temps, mais il fallait apporter un bon vieillissement naturel à partir des finitions. Voilà, c'est pas seulement une finition, c'est aussi une protection. C'est aussi un système qui comprend un traitement des bois. D'autres systèmes que vous présentez là aujourd'hui sur Batimat? Oui, on a développé aussi toujours dans le domaine des façades, hein, puisque la façade bois est un marché qui se développe beaucoup. Il y a beaucoup de demandes, notamment au travers les ITE, hein, l'isolation thermique par l'extérieur. Oui. Donc on a développé aussi un produit qui aura une très très bonne durée de vie dans le temps avec un très bon aspect. C'est le Wakeside. Donc c'est un bardage à base de bois composite. Alors ça consiste en quoi pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est? Donc le bois composite, c'est un mélange de 70% de sûre et de 30% de polyéthylène. Donc on se retrouve avec un produit stable. Et donc du fait que l'on ait un support stable, ça nous permet d'avoir des tenues et des finitions d'une très très longue vie et très très bonne à l'extérieur. Alors ça c'est le deuxième produit qu'on peut voir. Il y en a un troisième? Bon, après on reste sur les produits traditionnels de lamellé-collé, contre-collé et plus des produits standards. Sur ces deux nouveautés, ces deux innovations, c'est des choses qu'on trouve déjà aujourd'hui sur le marché, qu'on peut d'ores et déjà commander? La finition grise est en vente depuis le mois de juin, donc c'est déjà quelque chose lancé et ça démarre très très fort. Ensuite, le Wakeside dans son nouveau profil, un profil large qui est très très prisé des architectes, la production démarre ce mois-ci. La production démarre ce mois-ci. J'imagine que tout ça est sur votre site internet et qu'on peut aller voir toutes les finitions. Sur Batimat dès maintenant et sur le site internet, bien sûr. Merci beaucoup, Jean Pifto. Merci à vous. Bonne journée.